Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes. Chapitre 133, psaume 133, nous lisons la parole du Seigneur. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Assieds-nous. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de laisser la tête, compte les bienfaits, oui, compte.
Notre Père et notre Dieu, pour cette grâce et privilège que tu as daigné nous accorder encore en ce jour, Père. Nous pouvons réellement nous écrier et dire que c'est vraiment un jour que l'Éternel nous a donné. Nous te disons vraiment merci de tout notre cœur et notre Dieu, parce que nous avons vu réellement ta main à toi agir d'une manière extraordinaire. Tu es vraiment le Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes vraiment reconnaissants, Père, pour l'amour que tu nous as témoigné en ce jour, Père, en nous donnant autant de frères et sœurs qui sont venus de loin comme de près, et nous te disons vraiment merci. Qu'ils soient tous bénis, ô notre Dieu. Qu'ils soient tous aussi récompensés, mon béni, mon Père Saint-Dieu. C'est une grâce, mon Père, comme nous l'avons entendu dans les psaumes, qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de demeurer unis ensemble, Père. Et cela réellement aussi les désirs de ton cœur, mon roi, pour que nous puissions nous rassembler, que nous puissions être à toi pour pouvoir réellement aussi élever nos voix devant ton trône de grâce. Mon Sauveur, merci vraiment pour ton amour à notre endroit. C'est vrai, les projets que tu as formés pour nous, sont des projets de bonheur, mon bien-aimé Père du Sang, et nous te disons merci encore pour la victoire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour cette grâce d'être à toi et d'être conduit, éclairé, Père. Merci encore pour les cantiques, mon bien-aimé Père Tout-Puissant, et les chants que nous avons eu à pouvoir chanter pour ta gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Louange et honneur à toi. Béni, mon précieux frère Christian. Que tu sois béni pour ce que tu fais encore aujourd'hui, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. La grâce de pouvoir également aussi avoir des hommes qui te servent de tout leur cœur, qui chantent la gloire de ton nom pendant pour ce que toi tu es pour nous, Père. Béni chaque frère et chaque sœur aux instruments et partout, Père, au Dieu, dans chaque office encore aujourd'hui, Père. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom encore pour tes serviteurs qui sont aussi parmi nous encore en ce jour, mon Sauveur, qu'il soit aussi béni, mon bien-aimé Père. Nous nous résistons de cette grâce, mon roi, de pouvoir réellement voir combien tu nous témoignes encore l'amour en nous donnant la grâce de pouvoir le recevoir, Père. Béni aussi, Père Tout-Puissant, Dieu, nos frères et sœurs qui sont en connexion encore aujourd'hui dans différents pays et différents endroits, et les interprètes aussi, bien-aimé Père, qui sont aussi bénis, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Nous rendons gloire à ton nom, Père. Tu nous as donné un jour vraiment merveilleux, Père. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le don du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous pouvons nous dire, comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Nous sommes heureux vraiment de réaliser combien notre Dieu est vraiment bon pour nous. Il a vraiment étendu sa main pour que nous puissions avoir cette grâce de nous retrouver encore aujourd'hui. Et c'est vrai que chaque année, nous avons toujours cette grâce de pouvoir commencer l'année avec notre Dieu. Et en le remerciant pour tout le bienfait qu'il a eu à pouvoir nous accorder. Et c'est pourquoi que nous avons eu des situations un peu difficiles
à cause de ce que vous savez, effectivement, cette situation pandémique, mais ça n'a pas permis de pouvoir avoir ce moment-là. Et le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé que l'ouverture s'efface en ce temps. C'est ainsi que nous avons eu à pouvoir avoir à cœur de pouvoir avoir ce moment pour que nous invitions nos frères et sœurs, afin qu'ils viennent tous et que nous puissions remercier le Seigneur qui nous a accordé la grâce de passer cette phase, afin que nous puissions continuer à pouvoir les servir. Je vous souhaite donc tous la bienvenue et vous remercie vraiment très sincèrement de ce que vous soyez ici avec nous et avoir répondu aussi positivement aussi à notre invitation. Et nous vous remercions beaucoup. Et c'est vraiment avec beaucoup de reconnaissance que nous pouvons dire merci au Seigneur de nous avoir donné la grâce d'avoir nos frères. Vous venez de loin, et des pays aussi où parfois c'est pas facile. Vous avez pris de voiture et aussi vous avez parcouru les grandes distances pour que nous puissions être là aussi ensemble. Nous vous remercions vraiment, que Dieu vous bénisse richement. Vous avez donc aussi les salutations de notre précieux frère, le pasteur Soupé de la France, donc de Saint-Michel de Bel-Accueil, c'est ça, oui. C'est Marcel de Bel-Accueil qui vous a aussi transmis donc ses salutations et qui ont désiré vouloir être aussi parmi nous aussi, mais à cause de la situation dans laquelle les choses sont, ils n'ont pas pu, ils ont voulu que cela soit dit effectivement aussi, et ceux qui sont aussi en Afrique aussi, je pense à notre frère Albert Bimi et aussi à notre frère Luc qui ont exprimé aussi la reconnaissance que l'un d'eux voulait prendre l'avion même pour venir afin que nous puissions être aussi ensemble avec eux aussi. Mais ils sont avec nous aussi en communion et ils remercient aussi le Seigneur pour ce jour qui nous a donc aussi accordé la grâce de nous retrouver. Je voudrais remercier le Seigneur pour chaque serviteur de Dieu qui est ici. Et c'est vraiment aussi une joie pour nous. Il y en a de ceux qui, il y a très très longtemps que nous n'avons pas pu avoir la grâce de pouvoir voir. Et je crois à notre, je pense à notre précieux frère Jean-Marie de Paris, qui est là, effectivement, dans les coins. Là, lorsque je l'ai trouvé là-bas, j'ai dit, je veux que tu montes. Il dit, oui, je veux monter. Mais il est resté là, que Dieu te bénisse. Et je crois qu'il est venu aussi avec les frères et sœurs de Paris, l'Assemblée de Paris, je pense qu'ils sont ici, à l'intérieur ou à l'extérieur, je ne sais pas tellement très bien, ils sont ici. Ah ben voilà, je vois la main qui s'élève, que Dieu vous bénisse. En tout cas, soyez le bienvenu, nous sommes heureux pour cela et vraiment merci aussi pour la distance que vous avez aussi également parcourue. Alors, le frère que nous avons ici, je n'ai pas à le présenter, vous le connaissez. C'est chez eux, hein? Donc, je remercie Dieu et je crois que je vais donner l'occasion à chacun de venir quand même saluer l'Assemblée de manière à ce que nous puissions aussi passer à la parole pour que nous puissions avoir cette occasion aussi de prier aussi pour, parce que vous avez vu les deux chaises qui sont là. Et je crois que vous avez compris quand même pourquoi. Et comme c'était aussi le moment de la communion donc fraternelle, ils ont aussi saisi l'occasion aussi de pouvoir aussi se joindre pour que le Seigneur notre Dieu étende sa main et qu'il le bénisse aussi. Et nous sommes heureux de ce que vous soyez venus aussi. Et cela aussi régit aussi le nouveau marié également aussi. Et là aussi, nous remercions notre Dieu pour son amour et sa bonté, parce qu'il continue toujours de pouvoir agir. Il nous a aussi, il nous donne aussi des bébés. C'est pour ça que la maison de notre frère Juliard et notre sœur Nicole, Dieu nous a accordé la grâce d'avoir un bébé. Et c'est merveilleux de voir ce que Dieu fait aujourd'hui. Et là, je crois que le désir de papa et de la maman était que le Seigneur accorde la grâce que notre sœur accouche réellement selon la parole. Et nous avons prié, nous avons loué Dieu, et Dieu a exaucé. Et c'est pour ça que nous voulons lui dire merci en priant effectivement aussi pour cet enfant. Je voulais donc demander à mon frère Juliard et aussi à notre sœur Nicole d'avancer pour que nous puissions prier avec vous. Les bébés aussi. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui.
Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Alléluia, gloire à son Saint-Nom. Alléluia, gloire à son Dans son sang, il m'a lavé. Alléluia, gloire à son Saint. Avec lui, je monte plus haut. Avec lui, je monte plus haut, plus haut. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons ce privilège de pouvoir nous retrouver dans la maison de notre Seigneur et aussi avoir aussi des invités qui sont aussi venus pour la première fois ou tout ce qui est venu pour la première fois ici. Nous vous accueillons donc au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes le peuple de Dieu et nous avançons avec le Seigneur. C'est lui le seul que nous servons et c'est lui aussi qui nous a fait la promesse d'avoir de partir effectivement pour pouvoir nous préparer une place et aussi de revenir pour pouvoir nous chercher. Nous marchons à sa suite et nous le servons de tout notre cœur. Ce lieu où vous êtes effectivement, ce n'est une église catholique, ni n'importe quelle église effectivement. Nous sommes simplement des disciples qui marchons à la suite de leur maître. Et nous avons la Bible comme absolu, Jésus-Christ comme Seigneur et Dieu. Et nous sommes heureux de marcher avec lui. Amen. Et nous sommes heureux de pouvoir les servir et que son nom soit béni. Nous avons aussi la joie d'avoir ces hommes de Dieu qui servent le Seigneur dans différents endroits et que je voudrais aussi inviter un à un pour juste venir saluer l'Assemblée. C'est aussi leur endroit. Mais je pense que je voudrais commencer quand même par notre frère qui je crois qu'il y a des années qu'il n'est plus venu ici. Et il y a longtemps de cela, je pense, et même, je pense que ça fait des années. Hein. Oui, c'est vrai, notre frère Jean-Marie. Lève-toi, mon précieux frère, et le Seigneur te bénisse. Il est donc le pasteur de l'Assemblée de Paris. Hein. Il va s'introduire lui-même. Viens, mon bien-aimé. Nous sommes heureux de voir combien le Seigneur, notre Dieu, continue d'agir aujourd'hui. Et de voir effectivement que ce qu'il a dit dans les Saintes Écritures est toujours valable. Et cela s'accomplit malgré ce que les hommes peuvent aussi prendre comme des décisions et changer même la nature de choses. Mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Nous croyons que les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent faire jusqu'à pouvoir vouloir tout changer. Mais la nature reconnaît quand même ce que Dieu a dit. Et nous respectons, et nous croyons, et nous continuerons toujours à pouvoir croire et marcher selon le principe que notre Dieu a établi. Nous le remercions de ce que nous avons vraiment ce jour où nous pouvons avoir la communion autour de sa parole. Et parce que la Bible le dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Certainement, c'est vrai, après ce moment, nous allons avoir le repas à prendre, naturel. Mais ce qui est important pour l'homme, c'est la parole de Dieu qui est une nourriture effectivement pour l'âme. Parce que nous savons qu'il y a toujours une parole que Dieu a prononcée, qu'il a annoncée, proclamée lui-même dès la création. Que c'est sûr que l'homme, il a été tiré de la poussière, il retournera donc dans la poussière. Mais il est important qu'avant que nous puissions retourner à la poussière, nous puissions entendre effectivement ce que Dieu lui-même a eu à pouvoir annoncer, parce que les hommes sur la terre, pensent que la vie s'arrête simplement ici lorsque nous mourrons. Non, pas du tout. Ce que chaque homme, que ce soit tous ceux que nous voyons, que ce soit des pêcheurs dans la rue, effectivement, lorsque vous mourrez, ça ne s'arrête pas là à ce moment-là quand on vous met dans le cercueil, parce que vous continuez de l'autre côté.
les âmes pour le châtiment éternel, effectivement, et les autres pour la vie éternelle. Mais avant que ces jours-là ne puissent arriver, Dieu donc a accordé la grâce à l'homme de pouvoir entendre sa voix et aussi faire son propre choix. C'est la raison pour laquelle nous pouvons comprendre que Dieu est tellement bon qu'il n'a pas fait qu'un homme est devenu un robot. Dieu a fait qu'un homme reste l'homme avec toute sa conscience, sa capacité, hein, de pouvoir faire le choix. C'est pour ça qu'il nous a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc vous êtes responsable de votre propre destination et vous pouvez choisir si c'est la voie de Dieu ou la voie du malin. Vous vous souvenez encore, ou quoi que vous avez lu les Saintes Écritures, Dieu parla quand même à Caïn, dont on sait que Caïn était du malin. Il lui a fait comprendre qu'effectivement, que mais les péchés, ses désirs vers toi, se tournent vers toi. Mais toi domines sur la chose, effectivement, ainsi de suite. Il avait la possibilité de faire un choix. Parce qu'il avait le désir de pouvoir tuer son frère Abel. Avant qu'il commette l'acte, effectivement, qui pouvait l'amener à la destruction, Dieu est venu quand même. Dieu a parlé à Caïn pour lui montrer qu'effectivement, que s'il fait du bien, les choses seront différentes. Mais s'il fait mal, effectivement, les choses seront si différentes et dans le mauvais sens. C'est pour ça que nous sommes rassemblés, évidemment, c'est vrai, que nous réjouissons de ce que nous pouvons voir aussi cela, donc ces liens dans lesquels mon frère et ma soeur vont rentrer tantôt, parce que c'est ce que Dieu avait dit. Hein. Il a dit à l'homme, allez et multipliez-vous. Donc l'homme et la femme qui devaient donc multiplier et remplir aussi la terre et ses parents. Ce moyen que nous voyons et que Dieu accomplit aujourd'hui aussi dans la vie de mon frère, aussi dans la vie de ma soeur. Mais néanmoins, il nous est quand même nécessaire de pouvoir quand même entendre la parole de ce Dieu aujourd'hui encore pour que nous puissions réaliser, même en entrant là-dedans et après, comment on va faire, comment et qu'est-ce que ce Dieu attend de tout un chacun de nous. C'est pour ça que je demande à tous qui sont venus pour la première fois, parce que souvent le cœur est pressé, oui, ils sont trop longs, on doit partir, on doit aller manger, soyez en paix. Je voudrais que vous nous supportiez un tout petit peu. Ce n'est qu'un jour. Hein. On ne vous invite pas tous les jours pour ce mariage, ce n'est qu'un jour. Hein. Et puis nous vous remercions davantage, évidemment, c'est effectivement que vous soyez venus. Mais nous voulons aussi que vous soyez aussi en paix, que vous soyez patients. Parce qu'on va vous libérer vite, effectivement, patient, mais j'ai toujours eu à pouvoir dire que les choses que Dieu fait, il n'y a pas de hasard. Vous ne savez pas si demain vous irez dans un cercueil. Personne ne le sait. Peut-être que c'est un jour que Dieu te donne l'occasion. Hein, et tu pensais, bon, je viens pour le mariage, mais en fait, c'est pour toi que Dieu a fait cela. Il a peut-être permis que ce mariage s'organise les jours où nous avons cette communion pour qu'on t'invite et tu viennes. Oui, c'est important cela. Parfois, on a l'impression qu'on contrôle tout, mais on ne peut pas contrôler la mort. Elle peut venir à tout moment, en fait. À tout âge. On peut dire, oui, je suis encore jeune, je dois encore atteindre 40 ans, mais il y en a de bébés, de 3 mois, 6 mois, et d'autres même de 5, 6 ans, qui partent aussi, effectivement, aussi. Bon, de chaque âge, donc, il y a un endroit où on ne peut pas arriver à pouvoir. Parce que dans tout le pays, ça existe, effectivement, sur les hôpitaux, mais les cimetières, on sait que ça doit exister. Parce que c'est un lieu où on dépose tout être humain qui a fini aussi sa course sur la terre. C'est pour ça que je voudrais donc que nous lisions dans les Saintes Écritures, dans le livre de Ézéchiel. Et nous prendons donc Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel au chapitre 36, je pense que c'est ça. Voilà. Ici, voilà. Nous allons donc dans Ézéchiel au chapitre 36. Voilà, et nous pouvons lire à partir du verset 22. Ézéchiel 36, c'est dans l'Ancien Testament, et nous lisons à partir du verset 22. 2, et puis bon, nous nous arrêterons un peu plus loin. Ézéchiel 36, verset 22, nous lisons. « C'est pourquoi, dit donc à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sainte maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles.
Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire merci. Que ton nom soit béni et glorifié, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, pour ce jour merveilleux que tu nous as donné, où nous avons cette communion, éternel Père oh Dieu, nous pouvons nous retrouver ensemble, Père, et la grâce et la joie aussi de pouvoir aussi, en ce jour aussi, avoir mon frère et ma soeur qui ont saisi cette occasion pour aussi s'unir encore aussi, petit puissant, dans ta présence à toi, parce que ils ont eu ce désir dans leur cœur, parce que c'est toi qui as eu à pouvoir aussi toucher leur cœur pour cela, Père. Nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Maintenant, nous avons lu ta parole à toi parce que nous sommes rassemblés pour cela. Nous voulons que tu nous parles, Père. Pardonne et soutiens et fortifie. Et souviens-toi, je prie aussi pour ceux qui sont venus ici pour la première fois, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, que leur cœur soit tendri, Seigneur Jésus, que tu les aides à ce que le stress et le pressé, la pression ne soient pas, mais qu'ils aient la paix, et puisque pouvoir écouter, Père Saint-Dieu, et que nous puissions aussi avoir ce moment de communion ensemble avec tout un chacun de nous. Sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous pouvons, et nous l'avons lu ensemble avec vous, nous réalisons que tout un chacun de nous a quand même eu l'occasion de pouvoir aussi entendre les Saintes Écritures citées dans différents endroits où vous pouvez vous trouver. Et nous connaissons et nous réalisons quelque chose de très important en rapport avec la parole de Dieu. Et dans le livre de Jean, au chapitre 1, la Bible dit une chose, c'est qu'au commencement donc était la parole. Et puis, il continue encore en nous montrant quelque chose. Il dit, mais et cette parole était avec Dieu et nous ramène maintenant pour voir encore plus de lumière que cette parole-là était donc Dieu. Et puis, plus bas, maintenant, il nous fait comprendre que toutes choses ont été faites par cette parole. Et rien de ce qui existe ne peut pas exister sans qu'il y ait donc la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'on nous ramène aussi dans Genèse au chapitre 1, nous montrant effectivement l'origine de toutes choses qui existent effectivement dans le monde, effectivement, qu'on peut voir. Et là, on nous dit qu'au commencement, chapitre 1 de la Genèse, que Dieu créa donc, chapitre 1, Genèse, chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa donc les cieux et la terre, et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Là, nous voyons que c'est quand Dieu prononce la parole. Quand il dit, la chose doit exister. Donc c'est pour ça que nous comprenons aussi pourquoi dans les Hébreux au chapitre 11, on nous dit ceci, Hébreux au chapitre 11, verset 1, c'est pour que nous comprenions pourquoi nous nous attachons à la parole de Dieu et que nous pourquoi nous lisons, afin que nous puissions entendre ce que Dieu dit. Hébreux au chapitre 11, nous voyons que la Bible clarifie en fait les choses au verset 1 et dit, or, la foi est une ferme assurance, verset 1, des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé donc la foi, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et puis verset 3 dit, mais c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été créé, formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses donc visibles. Donc nous reconnaissons qu'effectivement que ce que nous pouvons voir comme les montagnes, les arbres, les eaux, les mers, effectivement tout ce qui est palpable n'a pas été créé à partir d'une chose palpable qu'on pouvait toucher puis Dieu transforme. Non. C'est que Dieu a parlé et les cieux ont été créés. Dieu a parlé et la terre a été créée. Donc la terre que vous touchez, c'est la parole de Dieu effectivement exprimée. Donc Dieu a parlé et la terre est là. Dieu a parlé et les arbres sont là. Donc chaque chose qui existe dans les cieux et sur la terre existe parce que Dieu a parlé
Parce que dans Psaume 33, on nous dit, ah, que toute la terre craigne l'Éternel, tous les habitants de Dieu, tous les habitants tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, et lorsque lui l'ordonne, elle doit exister. C'est pour ça qu'il dit, la parole qui sort de sa bouche ne pourra jamais retourner à lui, sans avoir accompli le dessein pour lequel Dieu l'avait donc envoyé. C'est là qu'il nous réjouit de ce que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir croire sa parole. Parce que vous pouvez douter, vous pouvez dire, mais ce sont des bêtises, il n'y a pas de problème. Mais ce que vous considérez comme étant des bêtises, ça va s'accomplir. Et Dieu ne pourra pas s'empêcher d'accomplir parce que toi, tu la considères comme une bêtise. Mais parce que cela sort de la bouche de Dieu, elle va certainement s'accomplir. C'est pour ça que nous avons du respect. Quand il s'agit du moment pour la parole de Dieu, nous abandonnons tout en fait. Parce qu'on sait que tout a été fait par la parole. Alors si Dieu doit faire quelque chose, aujourd'hui ou demain, il le fera par sa parole. Donc ce qu'il va faire, il l'a déjà annoncé. Donc c'est pour ça que nous observons la parole de Dieu, parce que nous savons que les choses annoncées d'avance vont certainement s'accomplir. Qu'on le veille ou qu'on le veille pas, qu'on le croit ou qu'on le croit pas, ce que Dieu a dit. Personne ne peut stopper la parole de Dieu. C'est pour ça que nous revenons donc à Ézéchiel. Il dit, verset donc 22, 36, il dit, mais c'est pourquoi, dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce n'est pas à cause de vous que j'agis, de la sorte de la maison d'Israël, c'est à cause de mon saint nom. Donc, Dieu, il fait quelque chose, effectivement, que nous devons tous comprendre. Il ne fait pas, effectivement, pour pouvoir que toi, tu sois positionné, élevé, qu'on puisse te voir, toi, ceci et cela. Non, Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour que la gloire lui revienne. C'est sa façon. D'ailleurs, parce que pourquoi il a créé l'homme? C'est pas que pour l'homme chante pour les femmes. Et c'est ça, c'est toujours ça le problème. Nous avons effectivement que pas que l'homme cherche à ce que toutes les femmes aient les yeux sur lui. Non, 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 non. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse l'adorer. Pour pouvoir effectivement le servir. C'est-à-dire que partout où toi tu passes, il faut qu'on voie que c'est Dieu qui a fait tout pour toi. Parce que toi, tu ne peux rien faire. C'est lui qui fait. Parce que là, nous allons aller plus vite, effectivement, aussi. Il dit, verset 23, il dit, mais je sanctifierai mon grand nom. Que son nom soit béni. Notre frère Jean-Marie, il est passé ici, il a cité dans Jean chapitre 17, le verset 17, il dit, mais sanctifie-le par ta vérité. Et dit ta parole et voilà en fait. Et comme nous l'avons entendu aussi qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu et elle-même est Dieu en fait. N'est-ce pas? Donc il dit, mais je sanctifierai moi-même mon grand nom. Vous savez, quand on parle du nom de Dieu, effectivement, comme il dit mon grand nom, on se pose la question de savoir si vraiment les hommes sur la terre connaissent vraiment le nom de Dieu. C'est ça le problème. Mais il y en a de ceux qui marchent effectivement avec ce qu'on appelle la Trinité. Donc il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Je crois que c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, effectivement, dans toutes les églises, dans toutes les religions. Il y a donc ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité. Mais on ne s'est jamais posé la question de pouvoir savoir, parce que quand on parle de cela, on se réfère à Dieu. Mais Dieu a un moyen par lequel il s'est exprimé, c'est-à-dire par sa parole. Posons-nous la question, mais est-ce que dans la Bible, il est quelque part parlé de Trinité? Ou parlé, par exemple, de Dieu le Fils? Et puis Dieu le Saint-Esprit? Vous pouvez aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Vous ne trouverez jamais Dieu le Fils. Et puis Dieu le Saint-Esprit. On parle bien du Fils de Dieu. Amen. Jésus est le Fils de Dieu. On n'a pas dit, il est Dieu le Fils. Non, c'est parce que je crois que la manière dont les gens... Non, parce que quand on dit le Fils de Dieu, ah ben c'est parce que nous comprenons qu'effectivement que c'est Dieu, effectivement, dans son rôle maintenant de sauveur. Oui, c'est pour ça qu'on parle du Fils de Dieu, effectivement. Je vous annonce une bonne nouvelle, Luc chapitre 2. C'est encore aujourd'hui dans la vie de David. Il vous est né qui ça? Un sauveur. Ah oui.
oui, un sauveur. Donc il est le Fils de Dieu. Amen. Comme ça que... Peut-être que vous pouvez voir quand il a posé la question à ses disciples, que dites-vous donc, je suis moi le Fils de l'homme? Et il ne savait pas tellement très bien répondre. Les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Ça, c'est Matthieu, chapitre 13. Jean-Baptiste, c'est ceci et cela. Et ainsi de suite. Elle lui dit, mais vous, qui dites-vous donc que moi je suis? C'est Pierre qui a répondu. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Elle lui dit, mais tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela. C'est mon Père qui t'a révélé cela. Et oui, alors nous comprenons qu'il nous est nécessaire que nous connaissions quand même le nom de Dieu. Parce que la Bible dit que dans le livre des Romains, il dit, mais quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Alors, il faut connaître ses noms pour l'invoquer, en fait, de pouvoir avoir accès au salut. C'est écrit comme cela. Et c'est des Romains, regardez bien, c'est dans le livre de Romains, hein, je ne sais pas si chapitre 11, c'est cela, oui, rapidement. Romains, chapitre 11, et... rapidement. Il est ici. Voilà, donc, c'est ça, oui. Voilà, c'est Dieu, tu peux dire ce que tu... Oh, pardon. Je pense que c'est cela aussi. Pardonnez-moi. Ok. C'est bien, chapitre 10. Romains 10, il dit ici. Verset, je pense que c'est verset 13, Romains 10, verset 13. D'abord, verset 12, il dit ceci. Et il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. Puis il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en ceux qui n'ont pas entendu donc? Voilà, donc il faut que le nom du Seigneur soit connu. Quel est son nom? C'est ça le problème. Il faut que le nom du Seigneur... Ici, il dit bien, je sanctifierai mon grand nom, parce qu'il y a beaucoup de noms aujourd'hui. Je ne vais pas dans le détail, mais chaque homme qui se met debout, qui commence un peu à pouvoir prêcher comme ça, et puis il commence à voir sentir des démagaisons, il veut que son nom soit connu. Ah oui, vous savez, il y a tout un chacun se dit qu'il faut qu'il s'élève, mais son nom, mais il me dit, mais en fait, bon, je vous pose, votre attention vous sort là-bas dans le fond. Ce qui est important, c'est de pouvoir se poser la question. C'est bien de connaître les noms de tous les hommes. Bon, mais c'est donc notre frère, je pense, quand il a parlé tout à l'heure, effectivement, dans la vallée, il dit effectivement que bon, ben, nous avons été ramenés à la foi de nos pères. Vous vous souvenez? Il s'est référé donc dans Malachie chapitre 4. À la foi de nos pères. Alors nos pères sont des apôtres. Alors parce que, bien sûr que oui, ce sont des apôtres, effectivement. On se pose la question que si on doit être ramené à la foi de nos pères, et comment étaient nos pères? Comment est-ce que nos pères ont eu à pouvoir prêcher? Et qui est-ce qu'ils prêchaient? Et pourquoi? Et c'est là qu'on se retrouve maintenant dans Actes chapitre 4. Nos pères. Regardez, Actes 4, ils disent une chose ici. Hein. Je pense que c'est cela, non? Les Actes au chapitre 4. Lorsqu'ils ont été donc amenés là. Voilà. Ou alors, tiens, c'est pour depuis que ce soit, oui. Voilà. Actes au chapitre 4, nous commençons par le verset. Verset 7, il dit. Non, même verset 5, pardonnez-moi. Les lendemains, les chefs du peuple, les anciens, les scribes s'assemblèrent donc à Jérusalem. Avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils le firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, mais par quel pouvoir? Et au nom de qui? Voyez-vous, c'est important. Et au nom de qui avez-vous fait cela?
Parce que ils avaient les noms de Moïse, de ceci, de Jérémie, de Blanc. Oui, c'est comme ça, c'est qu'ils connaissaient, effectivement. Parce qu'il dit, mais par quel pouvoir? Il dit, mais et au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ah, gloire à Dieu. Ah, c'est pas qu'il avait des magaisons. Non. Il avait quelque chose. C'est la chose là qu'il a dit à cet homme qui était important là. Il dit, je n'ai ni or ni argent. Alléluia. Mais ce que j'ai, je possède quelque chose. Gloire à Dieu. Il dit, je te les donne. C'est ça. Ce que j'ai. Mais avec-il une telle assurance? C'est pas que probablement, peut-être, non. L'homme était sûr. Il dit, ce que je possède, gloire à Dieu, honneur au Seigneur. Il dit, je te les donne. Qu'est-ce que toi tu as? Et c'est ça qui a ému tout le monde. Partout on est passé, effectivement. C'est pour ça que, et on lui dit que Pierre, donc rempli du Saint-Esprit, regardant tous les Sanhédrin, tous ces gens-là qui voulaient impressionner avec des grandes robes, de ceci et de cela. Mon frère et ma soeur, quand un homme est rempli du Saint-Esprit, vous ne pourrez jamais l'impressionner. Ah. Parce qu'il est placé à un niveau où vous ne pouvez pas le faire bouger. Si. Vous pouvez tout faire et même prendre, oui, même des menaces, vous pouvez en faire des menaces autant que vous voulez et vous ne les bougerez pas de sa place. Ah oui, ça c'est nécessaire, ça c'est important, ça va. Eh bien, c'est sûr. Et alors, ici, on nous dit, ici, verset 10, alors Pierre, rempli donc du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fit, effectivement, et leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, vous devez vous réjouir que cet homme, il est né impotent, il souffrait, mendiant. Parce que, voyez-vous, frère, quand les gens passaient là-bas, parce qu'on a placé cet homme-là, parce qu'il devait mendier pour avoir de l'argent, pour aller manger, effectivement, à la maison, par rapport à dans sa vie, effectivement. Donc toute sa vie, il était un mendiant. Et on l'a placé là, parce que c'est comme ça qu'il pouvait gagner sa vie. Et tous les hommes qui passaient là, donc, ils donnaient quelque chose de l'aumône. Oui, parce que si tu donnes de l'aumône, effectivement, c'est pour aider la personne. Parce qu'il est dans un état où il ne peut rien faire que de recevoir forcément la mendicité. Mais quand Pierre et Jean, ils montaient donc au temple à l'heure de la prière, c'est ça la différence, mon frère et ma soeur. Nous ne devons pas marcher comme dans les trains-trains avec les religions, les gens, parce qu'on doit faire comme ça, puisqu'on aime se barder de beaucoup de titres, et ça ne sert à rien. Ah, ça sert absolument à rien. Ces hommes, quand ils marchaient, ils ne se bardaient pas des titres. Hein. Quand même, on le regardait, on ne les considérait même pas. Mais ils avaient la puissance. Ils avaient l'autorité. Ils avaient... Ce n'étaient pas des gens qui avaient fait des grandes affiches. Moi, venez voir les grands docteurs de Dieu, comme ça on a entendu. J'ai entendu un qui m'avait appelé, il dit, « Oh, bishop docteur !» J'ai dit, « Ouh !» Ah oui, moi je vois des choses, hein, si vous avez la vérité, il dit, mais je suis bishop, docteur, je voudrais vous parler. Alors quand aussi je l'ai au téléphone, j'ai dit, bonjour bishop, docteur. Ah ben oui, puisque il fait les titres, mais les leçons de porter les titres. Ah ben mais c'est ça le problème, j'ai dit, bonjour bishop, j'ai dit, bonjour bishop, docteur. Il a dit, bonjour, j'ai dit, ah, voici donc des hommes. Donc quand il se met devant les gens, il se présente toujours bishop, docteur. Alors moi je pose la question, ça veut dire quoi bishop, docteur? Lui-même, il a commencé à penser, c'est un peu cela. Alors, quand eux, ils montaient effectivement au temple, tout le monde qui passait là, il voyait effectivement que le besoin de cet homme, c'est donc l'aumône, parce qu'il est important. Donc c'était de lui donner de l'argent. Mais quand Pierre et Jean sont montés, ils n'ont pas eu le même regard que tout le monde, effectivement. Alléluia! La parole de Dieu sort de la race de la cœur. Ils ont regardé cet homme. Il dit, tu nous demandes l'argent. Si aujourd'hui on te donne l'argent, demain tu viendras ici. Mais c'est dont tu as besoin. Alléluia. C'est de tes jambes-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu, voilà son principal dans
est superficielle. C'est pour ça que Dieu est bon, mon frère. J'aime Dieu, frère. Ce n'est pas Adam qui a été dire au Seigneur, ah, je brûle, donne-moi une femme. Non! Non, c'est Dieu quand il a regardé lui-même. Adam ne savait même pas, mais il a sondé l'intérieur. Gloire au Seigneur! Gloire au Seigneur! Merveilleuse la parole de Dieu, mon frère. Il a regardé et dit, il n'est pas bon que Adam soit seul. Alléluia! Gloire au Seigneur. Mon frère, on doit aimer la parole de Dieu. Elle est bonne pour nous. Et elle est merveilleuse. C'est notre lumière dans ces temps du soir. La lumière à Paris. La parole de Dieu est une lumière, monsieur. Bien sûr, c'est la vérité. Ah, qu'il soit béni. La façon de regarder. Ne sois pas triste, mon frère, ma soeur. Puisque Jésus vit, nous aussi, nous vivons. Ah oui, mon frère, vous savez, le meilleur endroit où un être humain véritable peut se trouver, c'est là où Dieu se trouve. C'est pas dans la rue, on perd son temps dans la rue, on a bon marché, regardez les vêtements, on peut même acheter 100 000 vêtements. Le corps ne va pas te dire « je suis heureux ». Tu as toujours la soif, même si tu achètes la belle robe que tu as dit, demain, tu vas encore marcher, tu vas encore une autre belle. Mais vous savez, Philippe, quand il a compté Nathanaël, Philippe, lorsqu'il a compté Nathanaël, il a dit quoi? Nous avons trouvé. Donc il était dans la paix. Il dit, les autres continuent à chercher. Nous avons trouvé de qui, eh oui, Moïse a parlé. Dans les scènes de qui les prophètes, oui, nous sommes tranquilles. Parce que Nathanaël continue davantage. Et puis Nathanaël dit, ah bon, mais peut-il venir quelque chose de bon là-bas de Nazareth? Il dit, oh, viens toi-même et vois. Amen. Quand Dieu, selon cette, est arrivé, il est en cours. Quand Dieu a opéré quelque chose en toi, toutes les soifs là. Vous vous souvenez la femme au puits? La femme au puits, elle venait pour puiser. Nous revenons vite dans cela avec la carte, peut-être comme on a. Elle venait, elle était chez elle à la maison. Cette femme menait une vie aussi mauvaise. Vous le savez très bien. Mais au plus profond, quand les hommes la voyaient, ils disaient que c'est la vie qu'elle aime. Ah oui, on va lui donner ce qu'elle a envie. Parce que c'était une prostituée. Ah, vous le savez quand même, non? Oui, ça. Mais quand Dieu a regardé la profondeur. Non, Jésus est bon. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas l'avoir. Qu'est-ce que le monde va vous apporter? Même les vêtements, même les bijoux, parce que ça vous apportera quoi? Le jour où tu mourras, tu deviens squelette. Les bijoux, ils ne vont même pas s'accrocher. Regardez le tout en Cameroun qu'on a enterré là, on a même momifié, il est sorti. Et puis, tout l'or en question autour de lui, un roi. C'est ça le problème. Satan, il est mauvais. Il trompe les gens. Il est monté dans les choses d'imagination. Tu seras bien, tu vas te sentir bien en tant qu'homme. Mais après cela, c'est déjà le poison qui agit dans le corps. Nous remercions Dieu parce qu'il est vraiment bon. Notre Dieu n'a jamais changé. Et sa façon de faire. Alors cette femme était donc là, donc la femme samaritaine. Quand tout le monde l'a regardée, voyez-vous, c'était une femme de mauvaise vie. Ah oui, il la voyait effectivement comme étant une prostituée. Mais voilà que quelque chose s'est passé dans toute la ville, effectivement, où c'était effectivement, il y avait beaucoup de gens qui s'estimaient être des gens bien, des gens sains, des gens qui peut-être menaient une vie, je ne sais pas moi comment. Mais le Seigneur n'est pas allé à leur rencontre. Ah oui, c'est la vérité, mon frère, mon Seigneur. Ça, c'est quand même quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est pour ça, cet homme de Galilée, celui qui ne l'aime pas, c'est quand même impensable. Il a fait pour l'homme ce que l'homme ne peut pas faire pour l'homme. Et c'est la vérité. L'homme aime surtout ce qu'il aime. Mais lui, il a aimé celui qui ne l'aimait pas. Juste même à donner sa propre vie
pour ses frères et sœurs. Tu dis, Dieu d'Abraham, pourquoi est-ce que les hommes ne regardent pas très bien les choses? Ah, j'aime Jésus, mon frère. Vous savez que dans la Sainte Écriture, je reviens encore à la femme, mon dans les Saintes Écritures, lorsqu'on a vraiment cherché un homme, je l'ai toujours répété ici, j'ai dit, ah, cet homme-là, si on l'avait trouvé, c'est celui dont son nom je publierai partout. Si je parlerai avec véhémence, je parlerai de lui partout où je passerai. Parce que cet homme-là est celui qui a sauvé mon âme. Quand on a cherché partout, dans les cieux, sous la terre, même la plus bas, on n'a pas trouvé. Je me pose la question de savoir où était Moïse. Donc tous ces grands hommes, quoi. David, Solange, tous ces prophètes dans les temps anciens. Des grands hommes, Élie, tout ça. On a cherché partout. On est allé là-haut. Sur la terre. On a fouillé partout. Parce qu'on pouvait voir qu'on a oublié. Maintenant, on va sous la terre. Parce que sous la terre, c'était donc les lieux où on pouvait mettre tout le monde. Hein. Oui, parce que ça, c'est... Sous la terre, partout. Là-haut, partout, en dessous, en bas. On n'a pas trouvé. Vous voyez pourquoi la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. J'aime Dieu. Ah. Alors voilà que cette femme était chez elle à la maison, vivant dans sa mauvaise vie. C'est disant que toutes les choses continueront comme ça. Parce que bon, je suis quand même lié là-dedans et je ne crois pas que je vais m'en sortir de cela aussi. Et tous les hommes et tous ceux qui étaient dans sa ville-là, ils savaient bien ce qu'il en était de lui. Et on l'a regardé avec un regard tout à fait méprisant. Et c'était même pas une personne à pouvoir fréquenter, même pas approcher. Surtout quand nous avons reçu le message, on devient des hommes très saints. Qu'une sœur s'approche pour te dire bonjour. Hey, ça va. Parce que, vous savez, un homme de Dieu, un fils de Dieu, et c'est là, frère, mais quelle absurdité. Quelle absurdité. Et tu te prends, toi, pour un saint. Mais si tu l'appelles ta sœur, c'est qu'elle est aussi une sainte. Oh, frère, nous avons ramassé des dogmes. On est tellement monté dans l'orgueil, on se prend pour plus que je ne sais pas qui, parce que, alors qu'on oublie qui nous sommes. Mmh. Ah oui, bon. Voyez, les yeux du Seigneur ne sont pas comme nos yeux. Alors, nous revenons d'abord là, cette femme au puits. Donc, dans sa maison, troublée dans son cœur. Or, les hommes ne savaient pas que cette femme-là ne voulait pas mener cette vie-là. Tout est question de ce que tu veux. Mmh. Parce que les regards des gens autour de toi peut-être méprisant et tout ça. C'est parce que Dieu ne regarde pas ce que les gens pensent de toi. Ni ce que les gens voient en toi. Non. Il regarde ce qu'il y a à ton intérieur. Qu'est-ce qu'il y a comme ton désir. Parce que quand tu pleures, ces hommes-là ne sont pas là. Ils ne savent pas que tu ne veux pas cela, mais tu es lié. Mais Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il voit tes larmes, mon frère. Il voit tes larmes, ma soeur. C'est pour ça qu'il a quitté là, les disciples, il a allé acheter, il dit, mais lui-même, il est parti, j'aime Jésus, mon frère. Il est allé s'asseoir, oui, c'est au puits. Alléluia. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni. Alors, les gens qui pouvaient passer, ils disaient, mais cet homme ici, il a un rendez-vous avec une jeune fille ou quoi? Vous savez comment les gens sont. J'aime mon Jésus parce qu'il ne s'occupe pas de ce que les gens pensent. Quand tu dois poser un acte juste, fais-le. Peu importe ce que les gens peuvent penser, je ne vis pas selon la pensée des hommes. Je vis selon ce que Dieu me dit de faire. Alléluia! Il est resté là. Si je l'aime, mon frère, non. Il est vraiment bon. Il ne nous a pas apporté la religion, mais la vie. Voilà que, étant assis là, et qu'il descend pour puiser de l'eau. Ce n'était pas la sainte qui descendait. Ah ben oui, bien sûr que non. Eh bien, c'était la femme qui avait une mauvaise réputation.
Je crois que si c'était un prédicateur du message, la voix, sachant bien cela, mais il a dit, oh Seigneur, aide-moi. Il fuirait comme Simon. Mais ses frères, vous ne vous rendez pas compte, les mêmes démons sont là aujourd'hui. D'une fausse sainteté pour montrer aux gens, nous sommes saints, et vous là-bas plus loin, nous ici. Donc, frères et sœurs, c'est quand même extraordinaire. On ne lit pas les saintes écritures. On dit qu'on a la vie de Christ en nous, mais on vit contrairement à Christ. On est des religieux, des religieux. Sous prétexte qu'on doit être pur et saint. Mais tu ne peux pas te purifier, sanctifier toi-même. Il dit, je sanctifierai. Il dit, sanctifie-le par ta vérité. Il s'est assis là, évidemment, parce que si les gens disent, oh, on a vu votre pasteur. On vous l'a toujours dit, hein, lui, il a une vie double, c'est lui-là. Oh, oh, oh. Qu'est-ce que nous, on a vu à la gare du Nord? Avec une prostituée. Mais ça va partir, évidemment. Et surtout que quand vous servez Dieu, beaucoup de gens ne vous portent pas dans leur cœur. En premier lieu, des prédicateurs. C'est ce jour-là qu'ils sont dans la... Vous avez une réunion, il avait été une parole que Dieu lui avait donnée, comment se voit. Ah, vous savez, on vous disait. Et nous, vous devez comprendre que Dieu nous conduit vraiment. Hein. Mais on vous disait, on l'a attrapé. Hein. On l'a attrapé. Oh, c'est le pasteur là. On l'a attrapé. Vous l'avez attrapé. Oh oui, avec une prostituée. D'ailleurs, c'est connu maintenant dans toutes les églises, c'est connu. Il dit, oh, mais on le. Mais Dieu est grand. Hein. Dieu montre réellement que ce qui était caché, il est mis dehors. Mais pensant qu'ils sont conduits par l'Esprit du Seigneur, ou ils sont séduits par le malin. Et voilà qu'il était assis là. C'est vrai, frère, c'est pas beau, c'est la Bible. Hein? Il était assis là, sachant très bien quelle était la vie de cette femme. Et au puits, il s'est assis. Et puis la femme vient. Et elle vient à cet endroit. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir que la femme, pendant qu'elle était chez elle à la maison, elle sent le désir de pouvoir aller puiser de l'eau. Oh, c'était Dieu. Alléluia. Ah oui. Vous savez, Dieu fait des choses extraordinaires. Et parce que c'était aussi les jours que Dieu avait fait pour elle. C'est la vérité. Elle vient, et puis, elle trouve un monsieur qui était assis au puits. Il est bon, Jésus. Il n'a pas été chercher la foule pour pouvoir dire, moi, je suis grand prédicateur. Non, monsieur. Il est allé là, vers quelque part, là où les gens ne veulent même pas aller, et s'assied. Parce qu'il savait ce qu'il cherchait. Pas la foule, mais les brebis perdus. C'est sûr et certain. Et voilà que la femme vient, et c'est l'homme qui aborde la femme. Vous avez remarqué? Et c'est l'homme qui lui demande de l'eau à boire, effectivement, ici. Vous connaissez, non? Mais étant une femme prostituée, quelle est la pensée qui vient? Et cet homme, il est en train de me faire la cour. Mais il ne s'est même pas occupé de ce que la femme pensait. C'est dans la Bible, mon frère. Parce que bon, on va dire, oh, ce frère, il prêche, je ne sais pas. Mais je prêche la parole de Dieu. Dans les scènes écrites, c'est écrit, hein? Et puis, la femme rentre dans la maison, mais toi qui es, tu me demandes de quelle rap, quelle relation a-t-il? Il n'a pas discuté. Il a seulement parlé pas. Il dit, mais donne-moi pas si tu savais. Parce que là, il commence à réveiller quelque chose. Dans l'intérêt, parce que frères et sœurs, les gens que nous rencontrons, nous ne savons pas qui ils sont. Peut-être c'est un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Ne sois pas méprisant, même s'il mène une mauvaise vie. Dieu ne nous a jamais envoyé d'haïr quelqu'un ou de mépriser quelqu'un, non? Pas du tout, parce que si on devait mépriser, on doit se mépriser d'abord soi-même. D'où nous étions, où Dieu nous a tirés. Ah oui, c'est sûr et certain, c'est la vérité, c'est vrai, vrai, cela, cela. Et voyez-vous, il n'a pas eu à pouvoir penser que ce que les hommes vont penser. Nous prierons pour vous le marier dans quelques minutes. Vous irez manger votre gâteau, il n'y a pas de problème. Mais ce que nous vous entendons ici, c'est très important, parce qu'après les gâteaux, le mariage, la guerre va commencer. Les gâteaux, c'est bon maintenant, ça goûte bien. Mais quand vous allez vivre ensemble, si vous n'avez pas ça,
Vous allez même haïr les gâteaux, même les goûts du gâteau. Il dit, pourquoi je mangeais ces gâteaux en question? Parce que maintenant on dit, je veux manger. C'est bien, mais c'est ça qu'il faut manger d'abord. Si vous le mangez bien, vous garderez toujours le bon goût du gâteau dans la bouche. Parce que quand l'ennemi viendra, il trouvera le maître de la maison. Parce que vous l'avez choisi. Le gâteau est toujours là. Il va dire, ta femme n'est pas bonne. Ces jours-là, quand je mangeais les gâteaux, je disais, je l'aime. Même si les années passent, le goût du gâteau reste là. Bref. Vous voyez, parce que parfois, on prie que Dieu nous aide. Voilà que la femme venant aussi, avec les pensées que monsieur me fait la cour. Monsieur n'a pas fait autre chose. Il a quand même continué à quoi? Mais à s'aimer. Et puis, elle dit, c'est toi, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te parle maintenant, toi-même tu donnerais de l'eau à boire. Et cette eau-là, j'ai envie. Il dit, mais Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je ne vienne plus puiser ici. Parce qu'il dit, mais quand tu auras puisé cette eau, tu rentreras chez toi, tu auras encore soif. Tu reviendras à ces puits. Tu ne changeras pas. Mais si tu bois de cette eau-là, ce sera terminé. Tu n'auras plus jamais soif. Le monde n'en a plus besoin. Non. Oh, que la mode des pantalons qu'on sort, tu n'es pas dedans. La mode est jupée ici avec tirette jusque-là, tu n'es pas dedans. Avec les poitrines ouvertes, tu n'es pas dedans. Ils sont à Jésus-Christ, notre Seigneur, au crucifié. La chair avec ses passions et ses désirs. C'est ce que vous dites. Ah. Voyez-vous, je vais être court. Et voilà que la femme qui était vraiment immonde, comme le monde pouvait le voir, prostituée, que personne ne pouvait approcher. Quand elle rentre dans la conversation avec cet homme, qui a eu de la compassion. Oh, que Jésus-Christ soit béni. Amen. Quand on vous méprisait, lui, il vous désirait. Si vous pouviez vraiment savoir, et comme je dis toujours, effectivement, savoir apprécier ce Jésus, vous ne penserez jamais du mal de quelqu'un. Peu importe son état même. Vous ne vous prendrez jamais pour un grand saint ou un super saint, ceci et cela. Vous aurez de la compassion pour le jeune parce que il a eu aussi compassion à votre endroit. Nous l'avons lu. Il dit, heureux le miséricordieux, car ils obtiendront. Vous savez ce que ça veut dire, non? Je dis que c'est quelqu'un qui pardonne tout le temps, qui ne garde jamais rancune, qui ne méprise personne, qui supporte tout. Vous vous souvenez? 1 Corinthiens 13. La charité, elle supporte tout. Elle ne soupçonne pas le mal. Que Dieu te bénisse, ma béni. Nous voyons qu'il nous amène à ce que nous passions du déchet à quelqu'un d'appréciable. Parce que quand il lui a dit, donne-moi de cette eau-là, en fait que je n'ai plus soif. Vous vous souvenez? Je n'ai plus besoin de pouvoir revenir pour puiser ici. Alors, Dieu, notre Seigneur, a commencé à lui donner de cette eau. Parce qu'elle pensait qu'il allait prendre son bras, mettre le seau dans l'eau. Il dit, je te donne maintenant bois. Comme ça va transformer et puis tu n'auras plus soif. Mais il a une façon d'opérer. Il fait toutes choses toujours par sa parole. Ma soeur, il peut te changer aujourd'hui. Transformer ta vie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il lui dit à la femme, parce que la femme dit, mais donne-moi de cette eau parce que je ne viens plus jamais puiser ici. Il dit, je le veux parce que tu me l'as dit. Alors il dit, mais va chercher ton mari. C'est écrit comme ça. Hein? J'ai dit que cette femme pouvait dire, mais enfin, quel rapport y a-t-il entre l'eau que tu m'as dit, que tu vas me donner, ça va devenir en vie éternelle, je n'aurai plus soif. Et demander mon mari.
Voyez-vous, Dieu n'agit pas comme nous, nous agissons. Parce que nous, on attend qu'il va faire comme ça, il va faire comme ça. Non, 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 non. Toi, écoute-le simplement. Il sait comment opérer avec toi. Ce n'est pas de copier-coller. Hein? Ah, bah, oui, c'est ça que j'ai toujours eu à pouvoir vous dire. Ce n'est pas de copier-coller. Dieu travaille avec toi selon les degrés dans lesquels tu te trouves. Et il sait comment le faire avec toi. Et ce qui est merveilleux, c'est que la femme, vous voyez, quand cette personne qui a quelque chose de Dieu en soi, parce qu'il ne va pas chercher n'importe qui, hein, il va chercher quand même la semence d'Abraham. Quand c'est quelqu'un qui a la semence d'Abraham, lorsque nous entrons dans une dimension où la présence de Dieu vient, il y a la crainte qui commence. Ce n'est pas comme dire, bon, ce sont des choses de barbare ici, qu'est-ce qui se passe avec eux? Non, non, non. Il y a le respect parce que quand la présence de Dieu est là, l'intérieur reconnaît. C'est pourquoi que la femme n'a pas dit, mais pourquoi tu me demandes? La femme dit, je n'ai point de mari. Vous voyez, quand on est sincère devant Dieu, surtout quand on ouvre son cœur, ça permet à Dieu de travailler. Il dit, je n'ai point de mari. Dieu le regarde, il dit, en cela tu as dit vrai. Oh, alléluia. Les choses changent maintenant. Il dit, tu en as eu cinq. Que tu as même point ton mari. Oh, la flamme a commencé. La source a commencé à jaillir. La femme dit, je vois que tu es un prophète. Oh oui. L'eau commence à jaillir, messieurs. C'est écrit dans Jean chapitre 4. Lisez là chez vous parce qu'on gagne du temps. Passez effectivement de là au prophète, ça veut dire que l'eau commence à prendre forme. Ça commence à jaillir. La vision commence à changer. Il dit, oh, vous vous dites qu'effectivement, que pour adorer, il faudra aller en Jérusalem. Il dit, l'œuvre des femmes. L'heure vient. Oh. Ah, ah. Et elle est déjà. Ah, ah. Pour les vrais adorateurs. Oh Dieu. Papa sur la montagne de l'homme. Non. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Voilà. Alors il continue en disant, mais. Oh, nous savons que quand le Christ viendra, oh, c'est qu'il avait la connaissance que le Christ allait venir et le garder dans son cœur. Et les autres ne le savaient pas. C'est pour ça que le Seigneur est allé là. Il lui a dit, je le suis, moi qui tu parles. Les yeux de la femme sont ouverts. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a jeté sa cruche. Plus besoin d'eau ici. Alléluia. Elle a couru. Venez, venez, venez voir. Il m'a dit ce qu'il me concernait. N'est-il pas le Christ? Et les gens du village ont couru. Ils ont entendu, ils ont cru. À cause de la femme prostituée qui est devenue une sœur en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il ne change pas. Il est même toujours le même. Il peut faire de la même pour toi aussi. Notre frère Juan et notre sœur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier, si vous voulez bien, vous lever. Si tous aussi nous voulons bien aussi, nous lever dans cela aussi. Dans les saintes écritures, il nous est dit, comme le Seigneur l'a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide, qu'il y soit donc semblable. Et ça, ça a toujours été les désirs du Seigneur. Ce n'était pas la volonté de l'homme, c'était la volonté du Seigneur de donner une épouse à la femme, à l'homme, pardon. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu dans. Mon grand, je peux voir mon cheval ici. Ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le livre de Matthieu. Merci beaucoup. Merci, pas mon choix. Le livre de Matthieu. Et là. On lui a aussi dit que est-il permis à un homme de donner une lettre de divorce à sa femme? Alors, il a dit quelque chose de merveilleux. Merci beaucoup.
tellement merveilleux qui a touché tous les théologiens. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, de grands théologiens qui peuvent prêcher sur mariage et divorce et qui parlent des choses beaucoup plus qu'ils ne comprennent même pas. Et là, il a répondu d'une manière tout à fait simple, extraordinairement profonde, que les gens n'avaient même pas bien saisi, bien que lisaient les Écritures. Donc, Matthieu chapitre 19, je lis pour vous. Allez, je sais que vous pouvez juste obtenir là, Matthieu 19, c'est là, oui. C'est la question qu'il avait été donc posée, c'est cela. Alors il dit, verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier donc sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera donc à sa femme, et les deux deviendront donc une seule chair. L'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, donc quittera donc son père et sa mère. Et puis ici, il dit, ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que vous comprenez. Parce que Ève était dans Adam. Tout ça cassé. Dieu est toujours parfait. Ils ne sont qu'une seule chair. Verset 6, il dit ainsi. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Il répète encore. Hein? Les deux devenant sa chair, dit ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et puis il continue. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint, aucun homme ne peut donc séparer. Ma question est celle-ci. La jeune demoiselle qui est juste à côté de toi aujourd'hui, elle s'appelle bien aimée. Annabelle ou bien Bernadelle. Aminadel. Voilà. Tu veux que je l'appelle Aimé ou Aminabel? Aimé. C'est plus facile. Oui, parce qu'ils ont un petit nom qui s'appelle. Je l'ai connu par lui. Hein? Tu veux répéter un peu ses noms, comme ça ils entendent que je dis pas des choses. C'est Minadel. Minadel. Donc, maintenant, je l'appelle Aimé. Voilà. C'était une demoiselle qui s'appelle donc Aimé, qui se tient à côté de toi. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est parce que tu nous as fait part qu'effectivement que tu veux la prendre pour épouse. Et j'ai une question. Est-ce qu'au plus profond de ton âme, tu es un frère en Christ, et ça, nous le savons, c'est sûr et certain. Et tu reconnais au plus profond de ton âme que cette sœur ici est vraiment la femme que le Seigneur t'a donnée à toi. Au plus profond de ton cœur. Au plus profond. Non, c'est sûr. Je voudrais que tout le monde l'écoute pour ne pas dire, oh, avec Juan et Aimé, ça ne marche pas. Peut-être parce que Juan, peut-être, il n'était pas tellement sûr dans son cœur. Mais chacun de vous a entendu. Je lui ai posé la question. Il a dit qu'il est sûr et certain que c'est la femme que Dieu lui a donnée. Alors, je voudrais te demander aussi, est-ce que tu l'acceptes vraiment de la prendre comme ton épouse à toi, qui devra vivre avec toi? Oui, bien sûr. Vous avez entendu? Amen. Parce que je n'ai pas entendu les cris. Hein? Répète encore, tu l'acceptes comme femme? Oui, je l'accepte. Ça, c'est vraiment merveilleux. Ça veut dire que tous ensemble, vous l'avez entendu. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Alors, s'il y a moyen d'aider ma soeur à prendre son micro, voilà. Ma bien-aimée soeur Aimée, je me tiens ici avec, juste à côté de toi, mon frère Juan.
Il a exprimé de tout son cœur, d'une manière claire, sans même hésitation, sans même bégaiement. Que vraiment il croit de tout son cœur que tu es la femme que Dieu lui a donnée et qu'il accepte vraiment profondément que de te prendre vraiment pour épouse. Ma question est celle-ci. Ce frère qui vient de pouvoir exprimer comme ça, est-ce que toi, au plus profond de toi-même, sans l'ombre d'un doute, après avoir prié, tu reconnais et qu'au plus profond de ton âme, que cet homme ici est vraiment l'homme que Dieu t'a donné et que tu es consciente que c'est le tien. Donc, au plus profond de toi, Dieu t'a dit que c'était lui. C'est ce que je veux savoir. Oui. Sans hésitation. Sans hésitation. Maintenant, c'est tenant dans cette position-là, comme tu le vois. Il attend que toi, tu lui dises ce qu'il y a en rapport avec sa demande, comme parce qu'il dit que lui, il reconnaît que tu es la femme que Dieu lui a donnée. Non, je n'ai pas encore terminé. Et est-ce que toi, tu l'acceptes de pouvoir le prendre, lui, comme étant ton époux, le père de tes enfants, que tu aimeras pouvoir élever et en même temps à l'aimer encore, à le supporter, et surtout aussi à lui être soumise. Comme la Bible le dit, et se soumettre à lui de tout ton cœur avec allégresse, quand il hausse le ton, toi tu baisses le ton. Est-ce que tu acceptes effectivement de devenir l'épouse de notre frère Juan? Je l'accepte. Qui peut refuser un tel mariage? Regarde comment il se tient. Il est prêt à pouvoir prendre. Ah là là, son aimé, hein? Que Dieu se bénisse. Alors vous allez juste poser les genoux par terre. Vous mettrez donc la main sur cette Bible-là. Et puis nous prierons. Oh, que Dieu vous bénisse. Voilà, merci mon grand. Pardon, juste là. Suis. Voilà. Effectivement. Alors, femme, tu mets ta main ici d'abord. Toi, tu mets ta main dessus sur sa main. Voilà, parce que c'est toi qui prends. Voilà, femme. Tendre Père et précieux Sauveur. Sur la base de l'autorité de ta parole, mon bien-aimé Père Dieu. Et de l'amour que nous avons pu voir manifester effectivement aussi dans le cœur de mon frère et de ma sœur, qui aujourd'hui, Père Saint-Dieu, ont témoigné que c'est toi qui leur as accordé la grâce de pouvoir, mon petit puissant, s'unir encore, mon bénémoine Père, puissant, sous tes yeux à toi, Père. Je prie, mon bénémoine Père Saint-Dieu, afin qu'il soit vraiment béni, Père, parce que nous avons entendu ce que Dieu a joint, que personne ne puisse séparer, mon bénémoine Père Dieu. Que la bénédiction leur soit accordée, mon bénémoine Père, puissant Dieu. Qu'ils soient heureux, mon bénémoine Père Dieu. Que ma sœur soit féconde, mon bénémoine Père Dieu. Que mon frère soit aussi fécond. Il ait aussi beaucoup d'enfants, comme bénémoine Père Dieu. Ta bénédiction soit qu'ils soient bénis, mon bénémoine Père puissant Dieu. Pour voir pour leurs besoins, mon bénémoine Père puissant Dieu. Qu'ils aient un toit, qu'ils aient du travail, des moyens financiers, mon bénémoine Père Dieu. Qu'ils soient heureux, mais au plus vite temps, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint, mon bénémoine Père Dieu. Pour te servir, toi le Dieu très haut. Que tu sois béni dans ces lieux, mon bénémoine Dieu. Protège mon roi. Souviens-toi de mon bénémoine Père Saint Dieu. Je te loue, je te rends grâce, je te bénis, Père, pour cela, personne. Qu'il soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez heureux. Oui. Alors, comme nous sommes debout, je voudrais aussi remercier la famille de notre frère, notre sœur aimée, qui est venu pour pouvoir aussi donc m'accompagner. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes des beaux, on sait qui vous êtes. Et aussi remercier aussi la famille de notre frère Juan qui est aussi debout. Et que donc nous remercions effectivement. Sur ces, nous allons prier, mon grand, avance, parce que tu vas continuer. Nous allons donc prier, remercier le Seigneur pour tout cela. Surtout qu'ensemble, nous puissions aussi remercier le Seigneur pour la joie que nous avons de pouvoir le voir être unis aussi aujourd'hui. Tendre Père et précieux Sauveur,
C'est vraiment un bonheur et une joie pour nous, Père, de voir notre précieux frère et notre précieuse sœur être unis encore à ta présence. Nous prions aussi pour les parents, peut-être les membres de famille qui sont venus du côté de notre sœur, mais aussi les parents qui sont aussi restés aussi à Paris, d'autres qui sont ici, qui nous sont bénis, Père Tout-Puissant. Nous te remercions pour tout ce que tu fais là, mon pays aussi, bénis, Père Saint-Dieu. Nous te rendons gloire et honneur, mon bénis, Père Tout-Puissant. Il a plu à toi que nous nous retrouvons ainsi, Père Dieu, voir nos régions, mon bénis. Merci pour la bénédiction que tu as accordée, Père. Tant à mon frère, à ma sœur, aujourd'hui nous sommes heureux parce que bientôt nous tiendrons leur bébé dans nos mains. On va te louer, te glorifier pour cela, Père. Que tu sois béni, que tu sois glorifié, qu'il soit aussi béni, car nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu te bénisse.